au piaf qu'on parle là? Apparemment. Ah d'accord. Hey! Oh! Oui, Radi. Allez, vas-y. Allez, c'est parti! Nouvelle fable. Je m'assois. C'est l'art de la pièce. Polygon bargain! Polygon bargain! Greedy traps for treasure and tombs. Spock! Fully guaranteed! What's the use? No one wants to buy from a talking parrot. Looks like it's back to the stale bird seed for me. Truth be told, no one's seen the trap maker in ages. I did find these notes she left behind though. Seems to me she was put to work designing traps for old Briggs and Briggs. Looks like she left a trail to follow that leads all the way to Briggs' stash. Maybe you can use them to track it down. Scott, just watch your step. The trap maker has a very particular sense of humor. Maybe come tell your old mate Salty if you find her, yeah? Not that it's partly his fault she was kidnapped or anything, you understand, but Spock! Spock! Il est trop mignon. Mon jeu, il a perdu 3 luminosités d'un coup. Ah. Ouais, moi aussi. Oui. En fait, ça dépend comment tu places ta cam. Moi, si je, si je bouge ma cam, ça change la luminosité. Ok. Je. Oh. C'est un beau Bernie, ça. Oh, c'est ah, oui. Bernie. Oui, c'est Bernie, oui. Oh, il est beau, il est beau. Oui, il est beau. Oh, nous avons un nouveau livre. Alors. Non. Ça a encore changé de toi. J'ai l'impression de jouer avec une personne différente tout le temps. Vous allez pas cuire mon chien, capitaine? Mais jamais de la vie, voyons, mais pourquoi je ferais ça? Posez Bernie par terre, capitaine. Je le ramène à bord. Je lis le livre? Vas-y, hein. Il y a beaucoup de pages. Ah, ça va, il y en a 4. La célèbre conteuse est elle-même empêtrée dans une malheureuse histoire. Par mon art, je vais me venger, la trahir par le bois, instiller ma haine dans le fer et bâtir une cage pour sa jolie pierre. La pierre a attisé la cupidité de trop de cœurs et de trop d'âmes. T'es ramené à mort. Pourquoi la cherchez-vous? Oh, le capitaine, il est pas concentré. Si, il est surtout con. Mais non, oui, bah oui, c'est ça, oui. Vous écoutez pas, capitaine, et après vous allez rien comprendre. Non. Après vous allez dire qu'est-ce qu'on fait, on va où, on fait quoi, c'est quoi le but. Oh là là, c'est chiant, moi je préfère taper des bateaux. Hein? Quoi? Jamais comme ça, moi. Alors, donc, la pierre a attisé la cupidité de trop de cœurs et de trop d'âmes. Pourquoi la cherchez-vous? Si seulement vous voyez ces mers pour ce qu'elles sont. Deuxième page. Maintenant, seul le rhum peut vous ouvrir les yeux. Vous montrez la marge à suivre. Ah bah voilà! Cherchez la grotte d'ossements sur Plunder Valley. Au fond, auprès de l'oiseau de pierre, gisent les histoires des ossements inertes. Le capitaine de Forsaken montre du doigt le feu et la cendre. Main dans la main, deux amants regardent leur destin. La livreuse de Rome a posé son verre. La voleuse se cache derrière son masque d'or. Il n'y a pas la suite. Ok, Plunder Valley! Capitaine, descendez de ce bateau. Pourquoi? Parce que je veux pas cramer le bateau. Monsieur le capitaine. Vous y attendrez pas. Ah mais c'est là où on est, Plunder Valley. Attends. Oui. Ah mais ça change pour arriver ici, en fait, tu te rappelles? Bah oui, mais en fait souvent on récupère la quête. Je vous ai vu faire un glide sur la sable. Souvent on récupère la quête puis on va ailleurs. Donc, alors, seul le rhum. Vous ouvrez les yeux, vous montrez la marche à suivre. Les Michel, voyez comme je suis sérieuse contrairement à eux là, karma, ils font n'importe quoi. Karma. Mais... Vous aviez qu'un pack à donner mon vernis. Ouais. T'as raison, le poisson. Bah, je vais partir avec mon petit livre et je vais faire la petite quête. Attends. Voilà. Alors, cherchez la grotte d'ossement sur Plunder Valley. Faut qu'on cherche une grotte, les Michel. Nous cherchons une grotte. Je vais le faire cuire, j'ai besoin de vie. Une grotte sur Plunder Valley. Il doit y en avoir une là-bas, là, regardez. On va trouver, vous inquiétez pas. You know, capitaine, attends, on est d'accord, hein. On est d'accord, hein. Il y en a qu'une qui bosse ici. Oups. Il y en a qu'une qui... J'ai trouvé une grotte. Oh, OMG, c'est celle-là. Oh, c'est celle-là. Vas-y, je travaille dur, hein. Alors, au fond, auprès de l'oiseau de pierre, gisent les histoires des ossements inertes. Donc, il faut que je trouve le capitaine qui monte du doigt le feu et la cendre. Et du rhum. Ah mais en fait, c'est pas canonisé, mon chat! Des ossements, des ossements. Ah ah! Je pense que Moussa Yuno est parti sans nous de désespoir. Genre ici. Moi, je veux faire un steak. Il y a ça, la livreuse du rhum. Le capitaine montre du doigt. Reviens, on arrête, c'est promis! Mais je suis en train de travailler, moi, qu'est-ce que vous pensez ici, hein?
Mais reviens, bah, je te jure. Bah, je crois que je suis au bon endroit. Hein. Bah, moi, je vais bosser avec toi, mais. Ah, je vais faire un steak et j'arrive. Je me suis cramé par erreur, j'ai fait de la merde. Mais non, entre deux fois, le feu et la fin. Alors, non, tu n'es pas au bon endroit. Mais j'ai trouvé une taverne! Une caverne, pardon. Une caverne. Oh, le lapsus révélateur. Ouais, d'accord. Bah, ok. Bah, amuse-toi. Mais on cherche du rhum! Alors, non. Non, on cherche des... Non, mais on cherche des os, puis je travaille, ok? Non, on cherche pas du rhum. On cherche des os. Non, mais alors, par contre, je suis désolée. Mais regarde, look at him. Je suis venue de là, moi? Je sais plus d'où je suis rentrée. Je crois que je suis rentrée de là. Il y a une caverne. Non, c'est pas le bon côté de la caverne. Oui, bon, ça va. Ça va, ouais, hein. Il y a un monde où c'est pas la bonne caverne. Oui, bah peut-être, mais je regarde quand même. Regarde, ça ressemble, il y a même le sigle. Oh putain, merde. Transparent, les squelettes, quoi. Ah, il y en a un qui va boum boum. Ah, j'arrive. Je vais mourir. Alors, il y a en fait Yuno qui vous a pas attendu, capitaine. J'arrive. J'ai peur. Attends. J'ai essayé, hein. Les Mister Kira, comment va? Bonjour, c'est celle qui arrive. J'ai pour les level up, les Michel. Merci pour votre présence. Faire la cuisine. Comme ça, tu te donnerais du cochon. Mais. Bon. Je lis le livre. Seul le rhum peut vous ouvrir les yeux. Vous montrer la marche à suivre. C'est si beau comme phrase, franchement. Au fond. Auprès de l'oiseau de pierre. Ah, mais c'est peut-être une caverne où il faut un oiseau de pierre devant. C'est marrant, comme c'est la seule phrase qui t'indique la caverne, tu la lis pas. C'est fou, ça. Auprès de l'oiseau de pierre, gisent les histoires des ossements. De la grotte d'ossements. Bah oui, mais ça, oui. L'oiseau. Ouais, bah y'a pas d'oiseau, là. Bah oui, bah non, mais je viens de le dire qu'il y avait pas d'oiseau, justement. Pas ça, ouais. Bah oui, bah non. Mais j'avais pas vu l'oiseau. Je m'étais concentrée sur le signe, en fait. T'es concentré sur le rhum surtout. Oui aussi peut-être, il est vrai. Mais après tout, je suis une pirate, faut pas trop m'en demander. Je suis partie à l'aventure, j'ai essayé de chercher, d'accord, ok. Hein, pendant qu'il y en a qui se fightaient là. Hein. Et j'avais un compte à régler. Me dis pas que t'avais un compte à régler avec le capitaine. Hein. Bah oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé plusieurs fois de moi devenir capitaine. Mais bon, apparemment, c'est totalement hors de portée. Ouais, mais non, parce que même si je le crame, ça reste mon capitaine. Ouais. Bah ouais, bah il mérite pas. Moi, je mérite. Capitaine, vous êtes vraiment toujours en train de faire de la popote là? Oui, pour Yuno, j'ai fait cuire du cochon. Hein? J'ai pas besoin de cochon, capitaine. Elle est partie, elle s'en bat les couilles. Hein. Bah écoute, c'est pas grave, j'aurai du cochon pour moi. Ok. Ok, je cherche révolution, mais si seulement, moi je voulais faire une mutinerie, hein! Mais ils sont pas. Et t'es pas mute? Bah je sais. Tu cherches pas un mute, tu le sais que je veux faire un mutinerie, c'est pas la première fois. C'est vrai qu'elle s'en est efficace. C'est pas genre à un moment donné. En fait, je sais que tout ce que t'as à faire, c'est réussir à me convaincre. Bah oui, je sais, mais j'ai essayé plusieurs fois et je pense que j'ai pas les bons arguments. T'as pas les bons arguments, ben. Ouais. Mais je vais faire que je trouve différents... d'autres manières. Mm-hmm. Alors. Faut la payer. Oh putain. Un jour ça marchera, un jour. Plus que ça, genre, c'est vraiment, t'as essayé rien du tout. T'as essayé de parler et après directement, bah faut la payer, hein. Parler ça marche pas, il faut payer. Je suis pas corrompu à ce point, quoi. Non. J'apprécie pas trop. J'apprécie pas trop vos sous-entendus, capitaine. Mais on est dans un monde de pirates. Elle veut faire une mutinerie, elle a essayé la parlotte, maintenant si elle graisse la patte, il y a un monde. Non, par contre si vous mettez de la graisse sur moi, non. Ah. La graisse de canard. Ça va pas bien, toi. C'est un peu haut. Et que maintenant que tu te rends. Non, c'est vraiment une réitération de plusieurs fois où je l'ai déjà dit. Mais Capitaine, j'ai encore un bout de cochon pour vous, si vous voulez. Ah, c'est bon. Mais y'a comment qui cherche cette foutue caverne? Oh merde. Ah, c'est-à-dire que le capitaine, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 5 fois qu'on fait ensemble. Il y en a généralement pas grand-chose à foutre de chercher les endroits pour faire des trucs. Donc, si, je suis désolée. Je me suis caché une jambe, mais c'est déjà okay. Où c'est, bah ouais, du coup, t'as un peu la seule chance. Oui, parce que le capitaine, il cherche pas. J'ai trouvé l'oiseau. Voilà. Ah, super, j'arrive. Bah super, bah oui, bah maintenant. Bah, je cherchais, hein.
Non, tu cherches pas, tu fais la cuisine. Tu vas baisser d'un ton tout de suite, Ginette, hein, je te le dis. Hein. Je m'appelle pas Ginette. Et je mérite une promotion sur ce navire parce que je suis plus utile qu'un mousse, ok? Oui, maintenant, oui, je travaille dur quand même. On verra, on verra. J'aime bien le maintenant. Alors, tout un. Elle se bourrait juste la gueule. Non, c'est pas vrai. Je continue de me bourrer la gueule, mais je travaille, ok? Merde, je suis un bon pirate, ok? Ça fait partie du travail de se bourrer la gueule. Aïe, aïe, aïe. Capitaine, montre-nous le feu et la cendre. Main dans la main, deux amants regardent le destin. C'est là l'oiseau? Ah oui. Au fond, auprès de l'oiseau. Je vais le tabasser. Fais l'éclairage. T'as besoin d'éclairage pour lire? Super. Au fond, peut-être la barrage. La terre est ronde. Pour une bonne raison. On cherche. Le capitaine de Forsaken montre du doigt le feu et la cendre. Main dans la main, deux amants regardent leur destin. Et la livreuse de Rome a posé son verre. La voleuse se cache derrière son masque. De deux amants se tiennent la main, ils sont là. Moi, okay. J'ai mis la main dans la main. Ok, et alors, et lui, le capitaine montre du doigt le feu et la cendre. Le feu et la cendre. Il y a un feu de camp ou pas? Bah, là-bas au fond. Et attends, le capitaine, c'est lequel? Lui, il a un masque. Ah oui, le masque. Ça, j'ai celui avec le masque. La livreuse de Rome a posé son verre. Elle lit pas les phrases en fait. Elle lit pas les phrases en entier. Bah, le capitaine de Forsaken montre du doigt le feu et la cendre. J'ai lu en entier. Il manquait ça l'info de la mais je l'ai déjà lu 4 fois le bouquin en même temps. À un moment donné, je choque des mots. Bah oui, bah il faut. Et bah il a qu'à lire aussi. C'est fou ça. Non mais oh. Et c'est moi qui vais prendre le truc de je travaille pas bien alors que je l'ai lu 5 fois. Non mais oh. Évidemment qu'à un moment, je choque des mots. J'en ai marre de ce bouquin. Après, il a qu'à lire le capitaine, merde. Après, le capitaine de Forsaken, c'est quoi? Alors, la livreuse de Rome a posé son putain de verre. Eh ben, pose le verre. Mais t'attends. Je suis en craquage. Je suis en craquage de mourir. Pose le verre. Moi, sachant ce qui se passe après, on est vraiment pas sorti du sable. Voilà, derrière son masque d'or. Voilà, voilà, super. De 8 heures. Oh putain. Eh ben... Ah non, mais moi ça me gêne pas, hein. Ça descend là. Pendant 8 heures, mais... Ça descend. Voilà. Longue vue. Allez, c'est bon. Oh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut abandonner le capitaine? S'il vous plaît, on peut l'enfermer. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre les notes dans la cage aussi? Ça a été fait, je crois, non? Non. Je le livre dans les mains, il n'y a pas plus de notes, en fait. Je le dis parce que sinon, moi ça m'est déjà arrivé de chercher 8 heures. C'est bon, je les ai récupérés. Merde. Vous êtes trop, trop balèze, capitaine. Ouais, je sais. Je peux un platier par you know. J'ai changé d'équipage. Je vais poser un CV. Non. Prochaine avant-poste, je m'arrête, je pose un CV. Je vais aller retrouver Pénélope sur son île. Ça fait longtemps que je suis pas allé la voir, elle me manque. Peut-être on pourra fonder une famille ensemble. Je vais, mais je vais arrêter la piraterie, je crois. Bon, ça c'est trop triste. Salut de Grimstone, comment va? Salut Aishnata, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à ceux celles qui arrivent. Oh là là, comment ça fait 20 minutes? Ça fait déjà un câble, je vous jure, j'en peux plus! Non mais les Michel, on peut pas dire que je fais pas d'efforts, hein! Je fais des efforts! Le capitaine Benji là, lui il fait pas d'efforts, lui! Lui il fait zéro effort! C'est un scandale! Bon. Je peux lire la suite du bouquin? Est-ce que le capitaine écoute? Bon, vite fait, moi. Vite fait, oui. Vous détenez ma longue vue spéciale. Un test pour voir si vous êtes digne de protéger ma pierre. Allez à Plunder Valley et cherchez ma marque. Debout, appréciez la vue. Vous devinez l'emplacement de la pierre? Il y a un dessin. Enfin, il y a un crâne dans des pics, je crois. Le rhum et l'or noient ma douleur, prêt à remplir les poches d'un voleur. Oh, c'est beau, c'est beau! Ok, c'est l'île ça? Oh merde. Oh. Il y a le pic. Putain. Et il y a la falaise. Oh damn. Oh. Attends, elle ressemble à quoi l'île déjà? Oh, we are in trouble.
J'arrive. C'est à l'ouest, non? Le pic. Ouais, c'est à l'ouest. Ok. Non. Mais si, le pic qui regarde sur le dessin. Ça dépend où est-ce qu'on se pose. Mais non, ça dépend. Non, l'ouest, c'est l'ouest. Aïe! Ils sont emmerdés par des fantômes, non mais j'hallucine. Trianguler la position. L'ouest. C'est là-bas. C'est là-bas, mais techniquement, ça va être là-bas en haut, donc faut monter d'abord. Niquez-vous les fantômes! Voilà. Allez! Ça suffit maintenant. Suffit maintenant. Mon cerveau est on fire, je suis branché. Alors. Un peu plus fort. Ouest. Le pic, à l'ouest. Le pic. Attention au cul. Bah ouais, les fantômes là. Ils nous agressent. Ça va aller? Ça va. Ah, mais c'est ici ça! Elle attend de voir combien de temps on va mettre pour jouer. Ou alors on va juste là où elle est, et c'est sûrement là où elle a la position du truc. Non, moi je suis venue payer hommage. Petit moment d'émotion. Ah, c'est pas là qu'il y a le truc du développeur. Oui. Tu l'as goûté? Ouais. Et que bon, on joue de la musique. Oui. Mais ça va faire trop froid. Ouais, je sais, mais c'est juste pour payer hommage. C'est pas parce qu'on peut pas faire la quête en elle-même qu'on peut pas. C'est vrai. Rendre hommage. De ouf. C'est beau. C'est un bon. Shadow Ruby, comment tu vas? Bonjour, c'est celle qui arrive, je crois que vous allez bien. Allez, on t'arrête. Bonsoir, bonsoir. En plus, je crois qu'il faut venir genre au coucher du soleil, un truc dans le monde, hein. Ça, la Golden Hour. La Golden Hour à 8. Ça faudra être vite, hein. Ouais. Il faudra. Alors, Jack, c'est par où? Faut pas être encore au niveau d'un oiseau? Alors, il y a le pic, il est là, et il faut aller vers la fameuse. Depuis le pic. Le pic, il est là. Ça, c'est le pic. Je suis le pic. Cherchez la marque debout, appréciez la vue. Ou alors c'est avec sa longue vue qu'il faut chercher la marque. Genre. Depuis là. Et on était en moment de respect. Cassez-vous les fantômes, c'est fou ça. Tu peux emmerder. Ah ok, faut trouver genre un crâne quoi. Ok. La marque elle est dessinée là-bas. Donc techniquement elle est censée être. Ouais, vers là au Valley. Faut trouver le crâne. Trouvons le crâne. Trouvons les crânes. Ouh, wow, quelle classe. Incroyable. Attends, faut que je vous mette plus comme ça. Faut monter plus haut, je pense. Doum. Non, je suis monté trop. Ah! Ah, ouh, bah aïe, vite! Ah oui, depuis sa marque, il faut regarder quoi? Mais. Bah, c'est depuis la marque qu'il faut regarder un truc, non? Bah. Alors, on dit. Plunder, cherchez ma marque, debout, appréciez la vue, vous devinez l'emplacement de la pierre. En gros, je pense qu'il faut regarder dans ce coin-là, tu vois, dans ce qui est, tu vois, sur le schéma, ça fait un triangle vers cette direction-là. Et il faut chercher, du coup, avec la lanterne, j'imagine, depuis la marque, quelque chose qui parle. C'est pas dans les arbres, genre... C'est vers le pic. Le pic, il est là-bas. Le pic,
pirate il essaie de regarder avec sa longue vue, avec l'œil où tu mets les bandeaux sur l'œil. Donc quand t'as un bandeau, bah techniquement tu... C'est marrant. Effectivement. Ah oui, donc ça peut être jusque là-bas. Ok. Ça devrait, j'imagine, nous sauter aux yeux. Parce que j'imagine que le pli sur la longue vue, c'est l'endroit où il faut creuser. Bah le X. Ça... Ouais, c'est ça, ouais. Ça paraît très logique. Ah, ah. Attends. Je l'ai, je crois. Ah ouais ? Dans le... dans l'arbre, il y a un nez. Ah, c'est peut-être pas ça. Ah, ou alors ça dépend de... Vous me dites oh, putain, si vous voyez un endroit qu'il faut que je creuse. Parce que moi je reste en bas du coup. Comme ça vous me dites. Ah mais ça devient plus clair je crois. Attends, hein, une idée. Ok. Oh, vous regardez. Bah pour l'instant moi j'ai que le nez. Et ce serait genre ouais devant toi Lei. Un peu plus encore, vas-y. Là stop. Vas-y creuse, pour voir. Nope. Ok bah... J'ai que ça qui serait... Ah, ça me saute aux yeux que ça fasse la forme du nez en gros, tu vois, genre... Mais c'est peut-être pas le... Ça se trouve c'est au sol, genre... On regarde les arbres, mais... Après, c'est... faut être vraiment dessus pile ou c'est de... Parce qu'elle dit depuis sa marque dans le truc, tu vois. Ouais, depuis sa marque. C'est marrant parce que genre, j'ai l'impression que les... Là où je regarde, les yeux, tu sais, ils changent un peu de couleur, mais je sais pas si c'est possible. Peut-être pas en vrai. Par rapport à la lumière que, qui se prend dans ta... Ah d'accord, ok. Ah non, je me demande si ça s'éclaire pas plus quand tu te rapproches de là où il faut regarder, peut-être. Je vois sur ta POV, effectivement. Ouais, ouais, tu vois. Là où il faut regarder, donc en vrai. Ou alors c'est par rapport au soleil et je me dis... Ouais, non mais... Je vais imaginer que... Moi, si je... Peu importe où je regarde. What the fuck. Non, effectivement, les yeux ici illuminent plus par rapport à là où tu regardes, mais c'est pas par rapport au soleil. Ah, ok. Donc je pense que c'est effectivement au plus c'est illuminé et au plus c'est là qu'il faut regarder. C'est l'arbre en face, du coup, mais... Bah, c'est là où je vois la, la trace de nez, mais du coup, c'est pas la, sur la marque quoi qu'il faut se mettre pour... Ou alors, faut regarder dans l'autre sens. Ah, c'est bizarre, dans son bouquin, elle dit... Runner, cherchez ma marque, debout, appréciez la vue, vous devinerez l'emplacement de la pierre. Il y a le dessin, enfin non, c'est le signe de la le marque. Le rhum et loi, noie ma dou- et l'or nor ma, noie ma douleur, prêt à remplir les poches d'un voleur. Le rhum et l'or. Bah, il y a un truc par terre, non? Il y a un tas de cadavres là. C'est un PNJ, c'est un squelette ou... avec des bouteilles de rhum dans la main. Ouais, voilà. Bah, alors faut creuser proche de ça, non? Ah mais attends, mais ça se trouve faut mettre dans un œil l'or parce qu'il y a un trésor, dans un œil le l'autre qui le squelette. Ah. Du coup genre possible. Descends un peu l'œil. Ouais. Encore un peu. Encore. Un peu gauche. Descends. Derrière toi. Derrière moi, toi. C'est... Non mais là moi où je suis c'est bon. Hein. Ah ouais. Un peu sur ta gauche. Ah oui, mais je suis pas sur la marque mais bah, c'est... si je suis sur la marque. Ah ok. Oh let's go. Ah mais alors mais du coup c'est bizarre que putain ouais. Vraiment le dans l'arbre il y a instinctivement c'est vraiment ouais c'est vraiment ça que tu vas voir quoi mais ouais alors, ok mal, alors incroyable le truc piège et trésor je construis la première partie de notre accord et elle fournit le reste la pierre que vous cherchez n'offrira qu'os facturé et défaite cuisante vous voilà prévenu très bien voici son emplacement seuls bois et fer sauront peut-être me sauver de leur cupidité. Il faut aller à un autre emplacement de l'île. Voilà. Eh bien, je vais chercher... Ça va être... Je vais juste chercher là-bas. Bah déjà, ouais, faut voir où il y a les cailloux, déjà, sur les bords de l'île, genre. Mmh. Bon, bah, on se met en... C'est forcément sur une bordure. Ça va, capitaine? Ouais, tout va bien. Coïncident, oui. De haut le cœur quoi. Oui, quelques petites aventures par-ci par-là. C'est pas là où il y a le bateau. C'est pas là. Je suis allée vraiment tout en haut, putain de merde. Là-bas il y a des petites roches. Ah, est-ce que ce serait pas la plage en contrebas? Je crois que c'est ça là. Attends.
Oh putain de merde, je l'ai vu. C'est pas loin de là où je suis mort. Alors. Ok. C'est sur la partie en dessous du pic, je crois, tu sais. Pas dans la, la le fossé. En arrière. Mais sur l'autre. Hey, ouais. Mmh. Ouais, reviens, reviens. Attends. Ok, ok. Je le vois d'ici. Reviens vers moi. Un peu plus. Oui, non, attends, parce que j'étais juste parti vérifier un truc, moi, à la base. Ah, pardon. J'ai une petite chute de rien du tout. Une petite chute. Alors, tu disais ? Alors, attends. Il faut que j'ai un point de vue. Ouais, retourne là, ouais, continue, à gauche, à gauche. Non, ma gauche, droite, du coup. Ouais, c'est vers là, ouais. Ouais, continue tout droit, elle est là, la marque. Ouais. Mm-hmm. Et il y a un monde où j'arrive. Bonjour. Vous allez bien ? Et vous m'entendez ou pas ? Oui, on t'entend. Ah, okay, d'accord. Ah, il est gentil, il a attendu mon effet. Ah, ouais, non, mais enfin, ouais, d'accord, ok. C'est juste que du coup. Ah, oui, c'était parce que j'étais mort. Ah, d'accord, mais je sais pas, comme t'as pas du tout réagi au fait que je t'ai dit c'est là, genre, je me suis dit, bah, ok. Je suis mort, en fait, et du coup, j'ai trouvé le truc. Ok. Pas loin de là où il faut être. Je croyais que j'étais mort aussi, je suis mort. Merci. Dis-moi la prochaine fois que tu sais que genre parce que j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe. Ouais, pardon. Alors il a dit quoi dans le podcast, le bois, je sais pas quoi. Alors la pierre a attisé la cupidité de trop de cœurs et de trop d'âmes. Pourquoi la cherchez-vous? Non, c'est pas la bonne page. Ah. Ah, mais comme t'es mort, le journal est reparti au début. Seul bois et fer sauront peut-être me sauver de leur cupidité. Ouais. Bois FR, c'est pas des noms de squelettes bois FR par hasard? Ouf. Non. Non, ok, bah. Parce que là, il y a deux squelettes en bas, bois et fer. Bah, bois, c'est pas le bateau. Ah, il y a un truc qui brille là-bas. Ah, c'est des munitions. Bois et fer. Ouais, là, il était en dessous, là. En dessous de la marque. Le bois et fer. Y'a pas du. Non, c'est pas du. Et ce serait... wow. Tu crois que c'est le nom des squelettes, genre? Ouais, ça me ferait rire en vrai. Mais... bah, en vrai, les deux tombent là, hein. Avance un petit peu. Non, je sais pas, ils ont des majuscules dans le bouquin? Non. Non? Alors, vas-y, ouais. Avance, encore, un peu. Vers droite. Ma droite ou ta droite? Ta droite. Ouais, vas-y, tente. Ah. Nope. Sinon, si, BoFR, il y a le... après, il y a un endroit où tu peux trucs, c'est avec les sigles sur la roche, là. Il y a un espèce de, d'aigle et des insectes, je sais pas trop en quoi tu peux faire, mais pourquoi pas. Les deux rentrent dans les yeux, quoi. C'est vrai. Et bah alors, du coup, partant de là... bois et fer. Je sais pas pourquoi... bah bois, ouais, je sais pas. Peut-être, hein. Ouais, bah tente-le, hein. Ok. Alors, Lay. T'es encore une bagarre? Non, c'est bon. Un peu plus devant toi. Genre. Ah oui, non, dans l'autre sens, pardon, derrière toi. T'es tourné vers nous. Non, encore. Bien. Je suis tourné comme toi maintenant. Ah oui, ok, alors vas-y, devant. Vas-y, je me suis tourné comme toi. Ok, encore. Encore un peu. Et un peu à gauche. Ah, vas-y. Non. Ok. Bon bah c'est pas ça. Trouver des vers de terre par contre, tu les veux? Écoute Y'a du bois à côté ou pas? Ah non, c'est fer, pas vert. Bois et vert. Bois et vert. Non, en plus y'a pas de bois, non. Y'a pas un truc de fer là? Une cage ou... Non, y'a des ossements, y'a des pots cassés. Non, y'a de l'herbe. Y'a beaucoup d'herbe, capitaine. Après, là, en vrai, en haut, il y a des tonneaux pas loin, enfin, plus haut du coup, mais... Ouais, mais tu peux pas mettre ça rentre pas dans le... Ouais. Bah, ça rentre dans le nez, mais du coup, après, la croix, elle est pas bonne. C'est ce que je veux dire. Ah, ouais, peut-être que les premiers étaient aux yeux, le deuxième est au nez, genre. Et depuis ici, on pourrait... Ah, depuis ici, c'est chaud. Oh là, c'est vraiment... Ah, non, on se donne pas. Non, parce que c'est normalement c'est devant, faut regarder. Oh, pas sûr.
c'est marrant, ça fait comme un visage de... Et tu prends des notes ? Oui, je prends des notes de comment vous enchantez. Ok. Là, pour le coup... Il y a un truc qui brille là-bas, mais je crois que c'est parce qu'on s'est battu. Comment il sage, Bernie ? Il est à mes pieds et tout. Bah ouais, bouge pas, Bernie. Hein. Il y a un sigle d'aigle, un sigle de ça, il y a les deux squelettes, c'était non. Le bouquin là, dit... Est-ce que tu peux voir de là, est-ce que tu peux voir un peu c'est à gauche dans le coup, alors, c'est juste pour voir. Recule deux secondes. Ouais. On peut pas le voir. J'essaie de regarder un peu dans quelle direction faut regarder, parce que sur la page d'avant t'avais le triangle, mais là vraiment c'est... Il est giga serré le triangle. Tu vois deux zones de recherche. Vraiment c'est en dessous de nous limite en fait. Ouais en vrai ouais, le champ de vision c'est vraiment en dessous de nous quoi pour le coup je pense. Donc, bah ouais c'est forcément c'est trop... Mais du coup c'est pas... Merde. Ah bah c'est pas grave. Après le poteau là. Le poteau, il y a du bois et du fer dessus. Yuno est passé en mode pelleteuse. Je sais pas. Ouais, ça va pas là, toi. C'est le moment où tu commences à perdre patience. Oh, attends. Bois et la première partie de notre accord et elle fournit le reste. La pierre que vous cherchez n'offrira que facturée. Et des faits de cuisant, vous l'a prévenu. Très bien, voici son emplacement. Ok. Seul bois et fer peut-être, sauront peut-être me sauver de leur cupidité. Ouais. La cupidité, c'est l'argent. Oui. Bois et fer. Ah, c'est... Bois et fer, oui, c'est pas épée et bouclier, genre ? Bah ça pourrait, mais tu vois un bout de mon épée. Bah non, non, mais... Genre, j'essaye de penser à l'ennemi, je me dis genre... Ah ça peut être plein de choses en vrai. Et parce que la zone, ouais, c'est vraiment ça... Attends... Jusqu'à la pierre. C'est vraiment genre... En fait, on se contente de... Parce que... Elle parle d'une pierre aussi. Y'a pas un mec qui est écrasé en par fait, une pierre. En fait, attends, ou... on regarde pas du bon côté, je crois. Parce que regarde sur la map. Là où on regarde, nous, c'est l'espèce de banc de sable qui est en dessous des cailloux qui descendent. Tu vois ce que je veux dire ? Ah putain. Et du donc coup, en fait, ce serait plutôt à ta gauche. Ouais. Vers le quai. Vers le bateau. Non, 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 vers l'autre côté du bateau. Hein ? En face de moi, du coup ? Par là-bas ? Attends, je vais monter. Bah, je peux mettre sur la marque alors. Bah ouais, non, je crois. Bah ouais, je sais bien, mais. En fait, je me dis que c'est. Ouais, oui, voilà, dans la direction, regarde l'œil. En fait, le triangle, il va vraiment vers là-bas, jusqu'à deux petits cailloux. Vous êtes censé avoir un petit caillou vers là-bas. Mais ce serait potentiellement vers là. Parce que, en vrai, le triangle, ouais, il est pas là, quoi. Il regarde pas vers là. Je vais remonter. Oh putain, je vais pas pouvoir remonter par là, c'est chiant, hein. J'aime pas cette ouais. Map. C'est pas trop, hein. Je sais pas à quoi m'en tenir, mais j'essaye de suivre la map du coup. Enfin... Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour tenter d'autres trucs, mais après, tant bien, c'est pas ça du tout. Hein. Moi, je sais rien. Ah, Bernie, je t'ai pris pour. Oh, putain, il y a une marque ici. J'ai trouvé la marque suivante déjà, je crois. Attends, si ça se trouve, c'est celle-là la vraie marque, non ? On cherche nous. Non, là, coup, on est... elle est plus non. Basse. Mais celle-là, elle est directement ouais, sur elle est, la plage. Ouais, celui-là, elle est direct sur la plage. Non, je pense qu'on est sur la ouais. Bonne marque. Ouais, je sais pas. Pardon. À tes souhaits. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de me mettre. Tu vois, genre depuis coup, là. Ouais, ouais. Ça en bas, en fait, c'est la bande de sable qui paraît en blanc un peu au pied des pierres. Donc techniquement, ce serait à peu près vers là. Est-ce que c'est pas en montant sur ce caillou ? Putain, ce putain de caillou là. Oui, mais tu peux être sur la marque. Quoi. Bah, je sais bien, mais l'autre finalement. C'est pas. Ouais, parce que ça, ce serait les trois petits cailloux. Bois et fer, bois et fer, bois et fer. Nick ! C'est énorme avec du fer derrière toi. Je sais pas. Ok.
Non. Prenons le truc dans l'autre sens. Parce que là, c'est forcément la falaise, c'est le bord, c'est... Ok, alors attends. Est-ce qu'on est sûr de l'emplacement, c'est ça? Ça se trouve, on a un emplacement de la prochaine ou un truc dans le genre, tu vois. L'autre marque, elle est plus en bas. Ouais, mais il y en a pas... Il doit pas y en avoir que deux, tu vois. Mais peut-être après, hein. Mais après, celle-là, c'est vraiment la marque qui est au-dessus du banc de sable et des roches, donc techniquement, c'est vraiment celle-là, tu vois. Enfin... Ça me paraît très logique. Il y a un banc de sable en haut aussi ou pas? Est-ce que sur ta carte, tu vois l'épave de la plage sur laquelle tu cherches? Hein? Non, je vois pas. Bah, sur la plage près de laquelle tu cherches, il y a une épave de bateau dessus. Là, à côté de notre bateau à nous, il y a une épave. Oui. L'épave, elle est sur la map. Non, on la voit pas sur la map du bouquin. Eh oui, mais on est de l'autre côté. Mm-hmm. Bah, je pense qu'on est pas sur la bonne marque. C'est une autre plage? Peut-être, hein. Peut-être par là-bas. Je vais voir si par là-bas il y aurait pas une map. Ah, j'en ai une. J'ai une marque là. Oh putain. À 300 000 en fait. Ouais, FR. Mais pourtant il y avait là, le. En face, j'ai des oh mince de tomber dans cette putain de fosse. Ça rend fou. Ah, mais bah, Yuno, reste là, bouge pas. Attends, on sait jamais, hein. Ouais, là, oui. C'est entre. Va un peu plus vers la droite. Ta droite à toi. Ma droite à moi. Ouais, encore. Encore, vas-y, creuse genre soit là, soit un peu devant, un peu plus vers gauche. Ah putain, attends, je dois lâcher. J'ai fait l'un de. Ah bah ils m'ont tué. Ah ouais, il est capitaine. Mais en fait, je piche pas, y'a pas la plage. Non, mais c'est une supposition parce que je sais pas si la map. Je vois pas la visualisation de la map là, tu vois, donc. J'ai trouvé une nouvelle marque donc. Ah, c'est possible, hein. Ils sont où les roches là? Il y a des petits rochers. Hop. Mais est-ce qu'il y a assez de petits rochers pour que ce soit là? Oh, niquez-vous! Bande de fantômes là, vous voyez pas, on réfléchit, on s'entend plus penser! On rend de fou! Je comprends pas pourquoi c'est pas la bonne marque. C'est bon, d'ici que je suis tombé. C'est une falaise, c'est de l'autre côté, non? On voit des cailloux extérieurs, je dirais. Mais oui, c'est ça. Merde, je suis tombé. À la base, je me suis repéré vis-à-vis de ça, du fait qu'il y avait des cailloux sur les bordures. Donc là, il y a un petit caillou. Là, il y a deux petits cailloux. Mais attends, mais. Mais de l'autre côté, c'est. Oh, vas-y, je fais le tour de l'île, ça me gâte. Oh, de toute façon, je crois que j'ai pris cette résolution. Je vais chercher les marques et voir si je trouve. Trouver les putains de pierres sur la bordure là et. Mais franchement, là où on était, t'es d'accord, il y a vraiment les cailloux qui montent, le petit banc de sable au pied des cailloux, genre, enfin. Il y a tout, tu vois. Ouais, mais. Mais après, c'est si il y a des fois, il y a 18 000 endroits qui se ressemblent dans la même zone, c'est. Ah bah oui, ouais, ça. Insupportable. Je me rappelle d'une quête là où il fallait piocher au pied d'une charrette là et il y avait 18 charrettes dans la zone. Il y a une marque là. Il y en a 300 000. Putain, c'est con qu'on puisse pas ping, hein. Me manque le ping de BG3 là. J'ai trouvé. On voit ton gamer tag. Bah ouais, mais du coup, comme je bouge pour chercher, on va là. Enfin, je sais qu'il y en aura une. Attends, c'est de quel côté? Attends, ouest. Là, je peux pas être par. Être une plage comme ça. Là, il n'y a pas les cailloux, là, il n'y a pas les petits cailloux sur les bords, il n'y a pas. Il est censé y avoir une plage, mais la seule plage qu'il y a, c'est pas. Et la plage, elle n'est pas là où il y a la marque sur le bouquin? Non, elle est plus loin. Mm-hmm. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je repère vis-à-vis des cailloux et du bord, et c'est pour ça que ça me paraissait être le bon endroit, tu vois, mais après, c'est compliqué de se repérer avec cette truc. J'ai fait le tour, je suis de retour là où il y a le bateau. Le seul côté de l'île, c'est là où vous. C'est du côté où t'es lay, qu'il y a les cailloux dans l'eau. Les cailloux blancs dans l'eau, c'est les mêmes là-bas, tu vois. Ça peut pas être ailleurs, je pense. Enfin, je réfléchis, je fais le tour. Moi j'ai une marque là, mais je vois pas de. Ouais, je l'ai croisé, mais y'a pas.
que la plage, si elle est de ce côté-là, si ça, ça peut pas être venant de ce côté-là parce que sinon ils sont où les cailloux, la vie de moi. Si c'est de ce côté-là. Tu veux de l'aide pour déchiffrer la map. Je sais juste le seul indice que je te propose, c'est ça, juste de l'aide pour déchiffrer la map. Oui, si tu veux. Mais en fait, est-ce que les trucs, est-ce que... non, c'est pas ça. Est-ce que les trucs blancs, c'est des cailloux? C'est des cailloux du bord de l'île? Oui, c'est des cailloux. Ok. Bah. La partie très foncée qui est à droite de la map, c'est le gouffre dans lequel t'arrêtes pas de tomber. Ouais. Ça, on est d'accord. Ok. Mais si ça se trouve, on n'est pas dans le bon sens. C'est tout. C'est peut-être une, bon, dans tous les cas, c'est de l'autre. C'est pas de ce côté-là de l'île. C'est du côté où on était. C'est obligé parce que les cailloux, il y en a pas tout le long de l'autre île. Tout le reste, il y en a, ou alors il y en a qu'un, puis il y en a deux, puis il y en a, tu vois. Donc c'était du côté où on était la première fois. Bah, je pense, ouais. Mais du coup, ce serait de l'autre côté parce que. Oh, je... Ah oui, j'ai une marque là. Ah oui, bah c'est sûrement ça. Attends. J'ai encore cassé une jambe. Le gouffre, du coup, ce serait côté gauche du truc, mais. Eh oh! Alors, ils sont où les cailloux? Putain! Les cailloux qui montent, ça représente quoi si c'est du côté gauche? Tu veux que je descende pour faire un test? Ouais, mais du coup, faut d'abord que je trouve ce qui pourrait me faire penser à faire et boire. Là, il y a deux tonneaux en vrai. Attends, Yuno. Ou alors les cailloux, c'est ce putain de truc là. Ah, mais oui, attends, il y a du. Le fer, ça peut être sable, les munitions et un tonneau, le bois. Vas-y, descends un peu vers moi. Voilà, encore un peu. Encore. Vas-y, tente. Nope. Ah, et tente de, un peu de pelleter dans le coin. Oh putain, GG. Là ? Ouais, en fait, les cailloux, ah, ça représente la putain de le putain d'escalier qui est de ce côté-là. C'est... Ah, ça rend fou. L'échelle, pitié. Ok, bon. Bah, du coup, bois FR, bah oui, là, ça saute aux yeux, hein, évidemment. Ah ouais ? Bah ouais, il y a un tonneau et un canon. Ah bah, d'accord. Ah, putain à côté, du coup. Ça rend fou, ça rend fou. Ok, attends, j'y vais pour... Bon, en fait, le truc, c'est que... Bon, on se rendait pas compte du nombre de marques qu'il y a sur cette île, quoi. C'est pour ça qu'on en a vu, ouais. On s'est posé. En fait, il y en a 18 000. C'est l'île de la piège. Ouais, ouais, faut... Ouais. Ok, mais faut prendre ça en compte. Tout droit, Benji. Ouais, encore un peu. Encore, stop. Vas-y. Là ? Ouais. Ok, bien joué. Oh, GG. Pas mort, je l'ai tiré dessus, il est pas mort. Ça... Ok. Pas de PV par contre. Oula. Oh là. Enfin, j'ai du poulet mais il est pas cuit. Non mais t'inquiète, je vais trouver dans des tonneaux, je pense. Je viens de trouver de la bouffe quelque part. Allô, la bouffe. Attention, t'as un fantôme qui arrive vers toi. Bah je fuis. Je. Bah, je sais pas où. Est-ce que j'aurais pas autre chose Oh, donnez-moi. Ah, voilà, pitié. Ah. C'est bon, j'ai trouvé une banane. Ça va au moins m'aider un peu. Bon. Alors, du coup, la suite. Marque suivante. Ah, c'est celle qui est sur la roche à côté de, du bateau. Alors, je l'ai vue tout à l'heure. Ok. Elle est là, sur un rocher, pas loin, là. Elle est là. Ouais, là. Voilà. Alors, c'est quoi le truc? Alors, si vous cherchez la pierre. Pendant autrefois, les cieux, la tête haute, ouais. Aujourd'hui sous la terre, comme si j'étais en faute. Tu veux pas lire l'autre page aussi? Si vous Non, peut-être pas. Vous cherchez la pierre, vous devrez trouver la clé de mon atelier ici, sur Plunder Valley, mais la porte qu'elle ouvre se trouve ailleurs. La clé de Sailor Bounty va dans ces grottes où stagne l'eau. J'ai laissé une surprise pour vous. Et du coup. Putain, la zone de visibilité elle est haute, j'ai l'impression. Non ? Ah non, peut-être pas. Pendant autrefois les cieux, la tête est haute, aujourd'hui sous la terre, comme si j'étais en faute. Le pavillon, main, hein ? La terre, non ? Il y a une cage et un truc. Bah, le. Il y a une cage,
piège là. À côté, c'est quoi? C'est un tonneau. Un plot plutôt. Et alors la zone de recherche, attends, parce que ouais. Ah. Pendant les airs, pour moi, c'est une voile ou un mât ou un pavillon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Du coup, ce serait. Après, ça peut être plein de choses parce que. Mais l'angle de vue, c'est quoi là? Du coup, c'est. Bah, je sais pas, il est quadrillé, est-ce que c'est. Je sais pas, il est pas clair la langue de vue! Oh là! Du coup, est-ce que c'est là où il y a la croix qu'il faut regarder? Mais il dit vous mettre dans le même sens que le crâne sur la marque. Hein. Ouais, ouais, comme ça, là. Tout bêtement. Et du coup, regardez sur un. En fait, là, si c'est la croix qu'il faut regarder. Bah, après, c'est peut-être la cage. Bah, y'a la cage, pourquoi elle sera en haut? Enfin, autrefois, les yeux, la tête haute, aujourd'hui, sous la terre, comme si j'étais en faute. Je sais pas. Ok, le crâne il est par là, le bazar il est par là. Les rochers ils sont par là. Après, c'est les deux seuls trucs qui rentrent dans. Ah, vas-y, je vais le tenter. Là, tu peux aller. Au niveau de la cage, et de... ouais, un peu gauche. Là, ouais, là, stop. Ah, reviens, 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 reviens. Droite un peu. Vas-y. Nope. Un peu plus vers la gauche. Nope. Non, bon, ça va pas être ça alors. Et deux, j'ai des larmes si tu veux, capitaine. Non, merci. Le rocher, l'autre rocher, il est là. Non, tu regardes là, pendant entre fois les yeux. Cherchez la pierre, vous devrez trouver la clé de mon atelier ici sur Plunder Valley, mais la porte qu'elle ouvre se trouve ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça aussi? C'est bizarre quand même. Parce que en gros là, le dernier truc qu'on va déterrer, c'est la clé qui ouvre la porte qui est sur Sailor's Bounty. Ah d'accord, ok. Alors pourquoi ils ont pas inversé les pages? Ça me perturbe. Faut nous trouver facile la tête haute aujourd'hui sous terre, comme si j'étais en faute sous terre. Après, c'est une cage à oiseaux, non? Parce qu'il faut pas prendre la cage dans le nez, genre. J'ai vu, j'ai décidé de kékette sur le chab. Putain. Elle est magnifique. Elle est belle en bas kékette sur le chab. Si fière. Ça me termine. C'est magnifique. Ok. Parce que oui, ça peut être en soi un oiseau. Donc si c'est une cage à oiseaux, en soi c'est ok, non? Bah, essaye ouais. De mettre le nez plutôt dans la cage. Le nez? Ouais. Parce que pourquoi l'autre truc, on s'en fout, non? Reviens un peu gauche, Lay. Là, ouais, stop. Oh, non, nope. Derrière toi. Ouais. Nope. Non, bon. Okay. J'ai trouvé des larmes encore. Bon, yes. Non, j'essaye. Hein. Si je mets les deux trucs dans les yeux, de toute façon, c'est là où elle a creusé Lay. Donc, Ah ouais, non, mais je pensais juste à autrement, tu vois, genre, mais. Ouais, ouais. Ouais. Pas concluant non plus. Moi, c'est pas... Il faut pas regarder là où il y a la croix, tu vois. Je vois que ça des croix. Rejoint... Non mais dans peut-être t'as les deux croix vraiment de l'angle de vue, je dirais. T'en as une qui part du haut du bateau de l'épave là et qui finit sur un caillou. Ouais. Je me demande si c'est pas ce genre là qu'il faudrait regarder, sauf que c'est bouché par des arbres moi de sur la map, tu vois. Sur là où je regarde. Capitaine, j'arrive pour vous. Ouais, ouais. J'ai pas eu le temps de faire du. Là, il y a le piaf, il est là. Ah oui, bah oui. Ah, peut-être que je sais pas. Pourquoi les yeux, la tête est où? Si je le mets comme ça, techniquement, c'est là où je vais. Et je vois pas genre un pavillon ou quoi, c'est ça qui est chiant. Bah ouais. Ça, oh, se trouve, c'est putain. Attends. Il y a une marque là.
Oui, mais la marque, elle est sur terre, pas sur le bateau. Il y a une marque sur le bateau, là. Ouais, mais la marque que nous, on doit... Mais je me dis, est-ce que c'est pas assez tordu pour faire une marque qui mène à une marque, qui mène à une marque avec leurs flèches et leurs machins, là. Tu sais ce que je veux dire? Quoi? Non, rien, laisse-moi. Ouais, quoi? Bah non. Bah. Comment ça? Lalala. Putain, c'est pas la bonne épave. Il est censé avoir une autre épave, quelque part à mon avis. Quoi? Parce qu'il y a de l'eau entre les tu vois sur le truc. Il y a de l'eau, en fait, une espèce de creek, je pense, non? Moi, je dis peut-être de la merde, hein, je sais pas. Mais je vais regarder, faut regarder autour de l'île s'il y a pas une épave. Une autre épave. Je vais venir, Damien. Je déteste cette île. Juno, c'est pas la bonne marque où vous regardiez? C'est marrant parce que même si tu parles en chuchotant à côté, j'entends aussi donc... C'est terrible. Je vais chercher des fruits pour me mettre un peu de sucre dans mon cerveau. Non, c'est pas... Il faut que je mette du sucre dans mon cerveau. Ah. Du sucre dans ton... Ça va faire mal ça, non? Faut mettre des carrés dessus directement. Ah non, ouais, ça c'est du coca avec du rhum dedans, je reconnais. Ah, je me sens mieux branché là. Alors. J'ai peur de la fin. Oui, moi aussi, hein. moi aussi. Très hein fou. Hein. Ça a failli mal tourner, hein. si vite. Putain de merde. Allez, hop, ouais, hop, hop, là. Il y a une autre épave, en fait, autour, je sais pas. Écoute, c'est pas la bonne marque. Là, il nous l'a dit, on est pas au bon endroit. Ça fait trois marques qu'on trouve, c'est pas les bonnes. Si ça se trouve, en fait, tu fais... Attends. Comment ça, il est pas mort, le... Mais c'est des poulets en adamantium, qu'est-ce qui se passe, putain? Pardon, excusez-moi, je suis peut-être dans le bordel. Attends, c'est peut-être la marque où on était juste avant, hein. Tu veux dire la... Non... Mais alors, elle est où la roche? Elle est où la rocher? La roche, elle est où? Elle est où la rocher? Après, là, pour le coup, MyBad, parce que moi qui ai dit, c'est sûrement celle qui est sur le rocher. Bon, bah après, je t'ai suivi aveuglément. Hein. J'aurais pu aussi essayer de mieux vérifier. Et ça m'a pas choqué non plus sur la map, donc. Je sais pas, hein. Je vais voir sur celle où on était avant. Mais je pense que l'angle est pas bon. Connasse là, elle est où cette connasse de marque de merde? Je vais. Oh, je vais. Elle est où? Oh, tu vas. Oh, tu vas. Oh, toi là. C'est elle là? No way. Et ça. Ah putain, c'est ça 100%. Parce que le truc foncé, ça représente le. Ouais, les deux bouts de cailloux. Ah merde! Et du coup? Bah, du coup, ça m'éclaire pas plus. Faut regarder. Dans l'air avant. On cherche toujours un truc qui était... Ouais. Je vois la marque sur le pied du bateau loin, t'as vu? Ouais, moi aussi. Ah, merci Anna pour ton follow, bah après, bienvenue. Après, là, du coup, on a un autre... Oh, les Michel, c'est dur. Formidable. La question est... on regarde où? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Ah, ça rend fou. Fond d'autres fois, les yeux, la tête haute, aujourd'hui sous la terre, comme si j'étais en faute... Donc ça peut être sur tout ce truc là, ça peut être de là-bas. Ah, fendant autrefois la... Ah putain, mais c'est lui. Bah c'est les putains de sigles là, du coup. No way. Vas-y, descends pour voir. Arrête, me dis pas que c'est ça. J'y arrive, je vais creuser. C'est le piaf, tu crois? Bah, lui il fend l'air et après il y en a qui sont sous terre. Oh pitié. On a creusé là aussi, hein. Oui, mais c'est pas dans la bonne, pas dans le bon temps, encore. Non. Vas-y. Je refuse. Qui a pété là? Pourquoi t'as pété? C'est pas moi. Ça va faire bombe. Ah. Oui. Ah. Comment ça va faire bombe? C'est pas fini. Pourquoi ça boum partout là? Bah,
c'est l'île de la pieds jaunes en même temps. Ah mais d'accord, ok. Ah ouais, ouais, ok, ok. J'ai un peu détouré, déterré un énorme keg. Déterré un énorme keg là. Ah, ok. Super. Hein. Oh, Dame. Bon, alors, c'est leur bounty. Allez, barrons-nous de cette île. Jamais joué. Le gros keg là, ce serait la pièce. Oui. Donc fallait vraiment juste amener un truc pour faire boum. Oui. Oui, c'est vrai. Je le mets sur le pont pour que vous puissiez le voir. Sur les bosses. Le porter, ça rapporte une, un truc ou pas du tout? Ah, il est énorme. Je sais pas, essayer. Hein. Oh. Ah bon, tout va bien. Okay. Ok, je reste calme. C'est leur bounty. C'est leur bounty. C'est au nord-nord-ouest. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, c'est formidable. Nous avançons. Lentement, ouais. Mais sûrement, nous avançons. Et c'est ça ouais. Qui est beau. Je vais aller me chercher un autre verre de rhum. Parce qu'il faut bien ça. Parce que là, il faut bien ça. Ouh là là. Ouh là 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 là. Vous êtes allé marrer le bateau plutôt et dès qu'on est parti. Un petit morceau de musique avant de partir, mon chaillon. Ah, mais bien sûr. Mais de toute façon, je vais quand même aider à démarrer le bateau. Vas-y, vas-y, je suis là, je t'inquiète. Ouais. Allez. Lali, lali, lali. A tout de suite, bien sûr, avec du rhum. Oui, oui. T'es bien dans l'axe là? Bah, mais pas parce que. Non, non, on va bouger encore. Ah, ok. C'est pas la peine de caler les walls tout de suite parce qu'on va pas finir. Ok, ok. Any wall, by the way. Les walls de la chaîne Dragon. Chaîne Dragon? Ouais, j'ai mis que des trucs de feu aujourd'hui. Ah ouais. Tu sens d'une humeur fumante? Non, c'est parce que j'ai récemment débloqué les canons, le cabestan et la barre de la chaîne Dragon et tous les trucs de pirate et tout. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai la coop, j'ai des voiles, vas-y, on va faire un truc. Un truc à fond dedans, quoi. Ah ouais, ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Regardez, une idée à faire. J'ai pas fait. Ah, une idée. Ah. Juste à temps, le petit Tender. Enfin, Tender, c'est une idée. Ça marrant, puis ça m'a perturbé de pas avoir la lumière dans les gueules. Ouais. Surtout le gaming. Faut que j'achète. Ouais. Re. Mais Michel, c'est bon, j'ai du rhum. C'est la quête du rhum après tout et de la piégeuse. Ah, mais elle nous a bien piégé. Maintenant, faut profiter des bons côtés de la vie. Ouais, j'avoue. Le rhum. Le coca, bien sûr. Le coca. Le coca. Par contre, j'ai que 100 000. Le coca, il est là. Hein. 2 millions pour acheter une lanterne. Dam da dam, da da dam da dam da dam. Ah, bonjour. Bonjour.
quelle belle golden hour. Waouh. C'est beau, hein, les couleurs sont magnifiques. Mmh. Oh là là, profitons de cet écran, il est si grand. Oh là là, un beau coucher de soleil. Hein. Pam pam. Mais il a pas, capitaine. Salut dragon, oh, comment va? C'est vous le capitaine, hein? Ah bah non, c'est vous, y'a personne de... Non, y'a pas vraiment le capitaine, ou c'est vous le capitaine? Voilà. Non mais je pense que je continue de m'intéresser qu'on n'a pas voté, mais voilà. Mais moi j'ai voté. Pam, il y a longtemps pam. J'ai voté. Bah ouais, mais... Je vais encore revenir sur tes potes. Non, c'est trop tard. Moi je pense qu'il faut des réélections de capitaine. Tous les deux sessions, genre. N'importe qui pourrait se présenter, même un petit mousse. Bah tiens, comme par hasard. Mais moi je vote toujours comme ça. Mais tu vois, un peu. Et comme il y a quand même de fortes chances que le capitaine y vote pour lui-même. Ok, bon, quel genre d'argument il faut que je... Lei, quel argument faut que j'avance là pour que tu votes pour moi? Tu peux faire beaucoup de choses. Ça dépend. De tes manières, de la taille de ton porte-monnaie. Non. Arrête de faire ça. Qu'est-ce que... Mm-hmm. Je suis gentil, je suis pas là. Attends, parce que je peux mettre, je peux faire live, c'est très drôle. La. J'ai pas les mots. Non mais punaise. Non mais y a une compréhension à faire. Waouh. Dessinez-moi comme une de vos françaises. Waouh, alors attends, je sors mon... Cette image-là, elle existe et c'est pas celle-là. Oui, c'est vrai, on peut se jurer. Ah ouais. Ok. Un blanc et rouge. Non, méga. Regarde. Oui, méga. Je te dessine. T'es sûr que c'est le rouge. Il est noir et rouge, quoi. Ouais, noir et rouge, c'est ça que je dis. Ah non, il dit blanc et rouge. Mais t'as dit blanc et rouge. Cherche le golden mégalodon, là. Ouais, il est gris, il est couleur requin et rouge, quoi. Ouais. Il est pas intéressant, là. Envoie-nous le rare mégalodon. Non, en vrai, franchement, en serveur chill, ça me fait chier, quand même. Ouais, mais sache que c'est possible, j'ai vérifié. Ah ouais, c'est vrai? Okay. J'ai vérifié parce que l'accomplissement est débloquable en Mercan, donc Mercan, ça veut dire que tu peux, t'as une chance de tomber dessus. Après, je vais pas te mentir que les chances sont infimes. Oui, non mais bien sûr, mais en vrai, quitte à l'avoir, vaut mieux l'avoir quand même en serveur où tu te fais masse moulin, quoi. Ouais, non. Ouais, en fait, on a l'accomplissement quand même. Oui, c'est sûr, mais je veux tout, moi. Je veux le beurre, l'argent du beurre, la crémière, d'accord? Que je veux tout. En mer cool ou en mer le calme, cul de... je suis chiant à battre, hein. Hein? Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'il sera aussi chiant et il donnera moins. plus nord-nord-ouest. Hein. Ah ouais. On monte vers la droite là. Plus nord. En fait. Oh, il y a du brouillard devant. Ça va aller, Michel? Okay. Ouais, je vous jure, cette première partie. Je sais pas ce qui nous attend sur cette deuxième partie, mais oh, la première partie là. Et en fait, comment savoir qu'il y a autant de marques? Autant de marques, Michel, c'est terrible. Il y a de temps en temps parce qu'il y a de la houle, mais... Oui, ok, j'ai le bout rouge, hein. Hein? Pardon? Ah ouais, mais ça aurait fait trop, vraiment, si je dis j'ai la barre avec le bout rouge... Ouais, je... Non, mais là, c'est... Il y a pas suffit, français, quand même. Je bouge parce que là vous allez vraiment racler le bord de la plage. Ouais. Voilà, c'est au bord du brouillard là. Hein, voilà. Au bord du brouillard. Ah, du brouillard. Musical et Michel. Da da dam dam da da dam. Incroyable. Da dam dam bam 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 bam. Ah, il va s'habituer. Ah, il a pas encore le choix. C'est ça. Mais...
C'est incroyable, incroyable. En quête de nouvelles aventures, afin de plus faire fondre nos cerveaux. Buvons plus de rhum, chers compagnons. C'est parti. Il est principal. Il est principal. Bon, ça doit être dans la cave, non? Là où on... Alors, Bounty, y a pas une entrée Il dit, dans ces grottes où stagne l'eau, j'ai laissé une surprise pour vous. Boum. De toute façon, tu vas trouver, quand on y sera, tu vas... Ouais. Ça va faire boum. Capitaine. Oui. Ça va faire boum. Ah bah, j'espère bien. Plus à gauche, vraiment l'île principale, un peu à gauche. Ok, ok. Dou 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 dou. Oula. Ta 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 ta. Hein? Et qui c'est que c'est la première personne à avoir descendu une chope aujourd'hui? Moi. Eh ben voilà. Eh ben oui, mais en attendant j'étais bourré et tout. Où est le boum boum? Je l'ai mis en haut, je vais le chercher. Ouh, oh là là, oh là. Il peut vraiment faire boum boum. On a profité de ce grand écran, les Michel, de cette grande POV en 21.9. Quand on est saoul, c'est magnifique. J'ai raidé sur le requin. Waouh. Waouh. J'ai pour les level up, le Michel, merci pour votre présence, merci beaucoup. Voilà. Hein? D'ailleurs, je suis sur la plage. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, j'ai toujours. Voilà, j'ai protégé le cul. Non, non. Bah, si. Non, je m'en sortais très bien. Le capitaine doit se trouver. Non. C'est vrai, ça. C'est vrai, tu as raison, Félix. Non, mais ça suffit, là. Hein. Ouh! Ouais, carrément. Oh des os. Alors. Ok. Non. Oui. Quoi? Non, allez-y. Allez-y. Mais si, mais il y a plein de pièges, on sait. Oh putain. Puis. C'est bon. Ouais, j'ai juste posé le truc. Attends, parce qu'il y a plusieurs entrées là. Je vous en prie, prenez le keg. Pardon, j'ai du mal à faire des phrases. Bonjour. Le boum boum. Je fais le plein de vie. Ouh, j'ai eu un boulet. Super. Ah oui, mais ça fait un moment que je suis là quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est gentil de l'avoir remarqué. Mais super. Qui c'est qui a actionné ça? Capitaine. Bah, vous, hein. Non. Bah, si, c'est vous deux. Mais sauvez-moi. Je suis pas là, moi, donc c'est forcément vous, en fait. Il faut qu'il y ait un timing aussi. Vas-y, avance vite. Là, ok. Alors. Évidemment, c'est la piégeuse, c'est vrai, c'est la piégeuse. C'est la piégeuse, on est prêt. Regardez, capitaine. Hop. Un, deux, hop. Voilà, hop. Un, deux, ouf. Hop. Voilà, on est là. On est pas là. C'est quoi le piège là? Moi, je me suis entraîné, j'ai la malédiction descendre. Hein. Les pièges, je connais, j'ai déjà vu. Ok. J'y suis. Ok, super. Allez, on continue. Bah attends, parce que faut lire le bouquin aussi. Ah, il y a sa marque là. En haut à gauche. Ah, mais là, il est passé par un autre endroit. Pour relire le bouquin. Faut aller jusqu'à ce que de l'eau stagne. Alors, si vous cherchez la pierre, on a trouvé la clé de mon atelier ici, mais la porte qu'elle ouvre se trouve ailleurs. La clé de Sailor Bounty va dans ces grottes où stagne l'eau. J'ai laissé une surprise pour vous. Bon, à mon avis, je le fais péter. À mon avis, la surprise, c'est de la merde, hein. Non, regarde bien, regarde. C'est ici, regarde, il y a une pierre tenue par trois planches là. Je me fais péter là, non ouais. Oh, attention, il y a des. Oh putain, culé, j'ai un cake dans les mains. Je viens de voir passer un chat affolé devant moi. Ah, ou alors attends, il y a une marque là aussi. Ouais, attends, avant de vouloir faire péter le truc n'importe où, analysons tous les couloirs. Ah, regarde. Il y a encore des pièges ici. Elle dit là où l'eau stagne. C'est grotte où stagne l'eau. Là, l'eau, elle stagne pas. Est-ce qu'il faut pas aller dans l'eau? Parce qu'elle coule, là, pour l'instant, l'eau. Ok.
Et là, elle faudrait là-bas. Du coup. Mais regarde, là-bas, on pouvait passer aussi. La verra. Et là, on peut remonter, là. Là où elle est, on peut passer aussi. Et il y a encore un endroit. Et il y a des pièges. Putain, ça me fume. Là, on peut descendre encore. Donc peut-être qu'il y a de l'eau. Il faut trouver de l'eau qui stagne. Oh, ça va. Mais en fait, c'est abusé que tu meurs alors qu'ils sont en train de se rétracter. Je trouve, personnellement. J'ai essayé d'avancer c'est là. C'est normal. Je pouvais pas te réanimer avec les pics dedans en fait. C'est juste pas possible. Allez, viens, prends, voilà. Doit être ici. Je pense. Ça va bien se passer. D'ailleurs, si les journaux vous intéressent, il y en a 3 ou 4 ici. Oh. Mmh. Ah oui, pour les achats. Where are. Il y en a un là. Ouh. Entre les deux pieds de table là. Ouais. Et à vite. Où est-ce qu'il est l'autre? Il est là, à côté de l'enclume, par terre. Ouh. Nan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 
Ok. Pardon, ça va être bien encore, mais je peux attendre. Ouais, vas-y. Hein. Je vais le plus possible. Vas-y, okay. vas-y. Hop, c'est good. Ouais. J'en ai ramené deux dedans pour me faire quelqu'un. J'arrive. On va mettre le tien. Peut-être que je suis passé. Ouais. Ah putain. On a des fruits là-dedans ouais, ah voilà. Tu mets du mien. Oh putain, genre que t'es pas dedans toi. Frérot. Et... Bon genre... Ah non, je prends pas le coup. Hein. Attention Yuno, je vais mettre de mon côté. Vas-y. Mets ça en plus. Aïe. Okay. Non, je peux pas mettre de mon côté. Ah non. Ça. Je vais mettre le ouais. C'est rigolo les HL, j'aime bien. Attention, je peux mettre de mon côté. Vas-y, quand tu veux. Ah, ça se passe bien, une organisation de qualité, on est là. Hein. Ok, vas-y, je vais activer la manette. J'active de mon côté. Ouh. Ouh. Ouais. Ah, ouais. Ok, t'inquiète. Oh, mais non, mais. C'est ok, c'est ok. Et 20h50, incroyable, let's go! Une belle organisation, enfin, un chemin magnifique. Ah, totem de la lune. Ok. Ah, je rajoutais à la fable. Et du coup, le keg, on doit le reprendre ou pas? Ah non, on reprend pas. Ok. On a le totem de la lune. Ah, ça va être sur Crescent Isle, non? Alors, je lis la suite. Bah, attendez, au bateau, non? Faut repartir? Ah, ça dépend. C'est complètement Crescent Isle. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah, là, le totem de la lune. Oui. Évidemment. Ah, c'est toujours actif ces merdes. Oh, you know. Ouais. Oh putain. Ouh. Oui, non, mais au pire, c'est pas grave. Okay. Aïe, 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 aïe. Viens, chaud. Bonne nuit, des bonne nuit, toi. Vas-y, c'est de faire dodo. Le déclencher, déjà. Reposez-vous bien sur tout. C'est important. J'en ai déclenché un, désolé. Je les ai déclenchés. J'avais réussi à normalement. À côté. Ok. Après, ça va, c'est pas des. Des pièges trop chiants, quoi. Vous en mettez du temps, je suis déjà sur le bateau, moi, c'est fou. Bah, excuse-moi d'être resté derrière pour vérifier que le capitaine qui a l'objet de la quête dans les mains ne reste pas derrière, hein. Tiens, récupère l'objet. Hop. Ouais, j'allais dire, je voulais prendre la... Bah, c'est bon, en fait. Fais de récup... Nous, par contre. Je mets le truc sur, sur la, cape du, la table du capitaine. Let's go! Ouais. Oh, 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 oh. Il peut lever le poids de Shaiwura, Wolf Alien Slayer, Tig Marie de Grimmstock et Colio, merci pour votre présence. Merci énormément les Michel, j'espère que vous passez de bons moments. Merci à vous. Pam padam papam, pam pam pam. Crescent Isle, alors on va, c'est ça? Mm-hmm. Alors qu'est-ce qu'il dit le bouquin? On n'a pas lu, j'ai pas lu. J'ai pas lu, je lis. Alors, hop. Hop, dernière page. Vous êtes bien courageux de vous aventurer dans mon atelier. J'espère que les amis de Briggsy n'ont pas été trop durs. Cherchez la marque de la lune pour trouver la pierre dans la cache de Crescent's Eyes. Je vous salue, pirate, mais écoutez bien mon avertissement. Prenez-la pour la gloire, pas pour l'argent. Je m'avoue vaincu, je n'ai plus un seul tour dans mon sac. Ouais. On va moi, j'ai moyen confiance, hein, quand même. Dans un être qui s'appelle la pam 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 p
Boum boum. Ah. On est bien là. Alors là, j'ai préféré cette phase là. Légèrement. T'inquiète parce que en vrai, t'as plein de trucs, t'as de l'énigme, t'as du combat. Ouais, en vrai, ça va. J'avais vraiment peur que ce soit que des énigmes. Mais ça m'a été un peu ça. Puis les énigmes type piège, ça va quoi. Quand même actif, on va dire. Ouais, ça va. Donc c'est le body qui s'active plutôt que le cerveau. Badam, 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 badam. Salut Bo Piki, ça va très bien toi, comment tu vas? Badam, 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 badam. Quel talent, quel talent, let's go! Et là, l'île qu'on voit devant nous, hein. Oui, c'est ça. Alors, si c'est la même cage que les comment, que les quêtes là, je sais où c'est. Ouais. Moi aussi, je sais. Juno, c'est peut-être un peu tôt. Hein. Ouais. On arrive vite quand même, on a le vent. Ouais. Non, bah ok. Non, non, mais si, ok. Ah, peut-être plus facile pour manœuvre, ouais, c'est vrai. Faut se garer à l'intérieur du croissant. Oui, croissant. Mais c'est là que je vais. Bah oui, mais c'est justement pour ça que je levais une voix. Ça met à moitié. J'aurais pu en choper une autre. J'ai pas pris la clé. Bah, comme d'habitude. Bah oui. Faut bien que vous fassiez quelque chose, capitaine, quand même. Oh. Est-ce que j'entendrai un mutin parler? Un lutin? Non. Non, un mutin, mutin. Avec un M. Ah, pardon. Comme mettez-la au fer. Ah non, pas maintenant. Ah mais non, elle est résolue à aller au ferme. Merde. Attends qu'on a fini là. Oh. Merde. Oh. Aïe, aïe, aïe. Bravo. Ça va comme un pirate. Ah, ça va comme un pirate, c'est alors on est bon. On est bon. C'est une statue. Il est quand même magnifique, il est incroyable. Hein. Et dans cette dimension voilà, d'écran finalement, c'est fabuleux. Vraiment. Salut petit, je viens de me réveiller. C'est comment ça ici, hein. Ah non, là il est pas là. Lutin, mutin. Ouais, j'arrive deux secondes. Ouais, ouais, pas de soucis. Ça va, capitaine, c'est pas trop lourd. Non, ça va. Oh, pas mal. Vous voulez toucher? Non. T'es sûr, hein? Non, je suis sûr, capitaine, je vais pas toucher. Je vais pas toucher ma lune. Non. Enfin, capitaine. Il y a deux secondes, vous vouliez me mettre au fer. Ça fait un peu beaucoup quand même. Chacun ses kings. Et deux en même temps. Oula, non, non, je suis pas intéressé, capitaine, non, vraiment pas. Hein. Ok. Mais je suis venu pour faire de l'or, vous savez. Je vais finir par réussir à devenir capitaine moi-même, voilà. Vous connaissez pas le capitaine Grey? Je l'ai entendu vaguement parler.
Mais si vous voulez mon avis, la légende a un peu vraiment exagéré les choses, quoi, parce que bon... Moi, j'ai lu des écrits qui étaient bien plus... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous voyez ? Oh, bah oui, ouais. Hein. Ouais. Bon, il y en fait du bruit, serpent ! Ferme ta gueule, voilà. J'arrive, mais je me suis fait un peu emmerder par... par les fantômes de l'île. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, voilà, passe aussi, bien, là, tout se passe bien. Vous avez les bourses pleines. Alors. Où est ma clé? Dans mes mains. Ah. Et j'étais, c'est la clé du groupe en fait. Ouais. Fanny, il est tout nervuré là. Oh putain, quand est-ce que j'ai dit ça? Hein, je sais plus, j'arrive pas à me rappeler de quand t'as dit ça. Quand dans un jeu il y a eu un cheval, je sais plus, mais. C'est pas dans Last of Us? Si, c'est possible. Ah, si, c'est possible, oui. Je pose? Ouais, là. Ah, bah c'est Yuno qui l'a, oui, vas-y. Je pose. Ah, vous aviez l'air de dire, alors moi je vais retourner par terre. Oh non. Je veux rentrer! Mmh. Oh putain! Il est où l'or? D'habitude il y a de l'or ici. Où il est l'or? Je le reconnais, d'habitude il y a de l'or! Capitaine. C'est pas ma faute. Faut allumer les bras zéro et après il va falloir faire les sigles, c'est ça? Ok, d'accord. Non mais j'aime bien quand on met en place les... stratégies. Ça aurait pu, capitaine, ça aurait pu! Pierre de Footbreaker, let's go! Oh, on avance, OMG. Oh merde, c'est fermé par contre. Ah. Solution! Ah! Ah merde! Eh les connards! Ah bah, regardez, ouais, de la baston! On les défonce. Médaillon requis. Médaillon de la lune, j'ai! Vas-y. J'en ai un. Arvac va y en avoir un, ouais, j'imagine. Ouais. Ok, vas-y, on les défonce. De l'action là! Vas-y, médaillon. Vas-y, Elvis, comment tu vas? Mais le bonjour, c'est celle qui arrive. Une pièce avant ta vente, c'est pas grave, je suis endormi vers 18h. Ah oui, bah là c'est plus une pièce là, c'est un coma, non? T'en avais besoin, moi. Hop. Ouais! Tada! Wouhou! Blender Valley. Allez, Zerbardi! Bah ça s'est super bien passé! On a eu une pierre! Franchement. Aucun challenge, hein, vraiment. Vraiment, la baston, ça nous connaît. Hein. Excusez-nous. Voilà. On est pirates de qualité, finalement. Et pirates gladiateurs. Wouhou! Incroyable! Hop là! Et bah. Hop là. Je mets sur la table du capitaine. Ok. Du coup, capitaine, on est d'accord que vous êtes mis exactement là où j'avais posé le trésor pour être sûr de voir Pomme sur le bateau. Oui, exactement. Sud-est. 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 Pour ma défense, j'ai vraiment cherché à harponner le cag et pas toi. Le jeu m'a pas laissé. Sud-est avec un chouïa plus dessus. Sud-est. D'accord. Et un chouïa. Un chouïa. Un chouïa, capitaine. Plus de sud que de sud-est. Un chouïa. Chouïa. Pas non plus pour être au sud-sud-est, mais pas non plus pour être juste au sud-est. Entre les deux, voyez, capitaine. Le chouïa. Finalement. C'est une mesure de piraterie reconnue dans la piraterie. Hop. Hop. La partie la plus compliquée, c'est le début, mais tellement. Il fallait bien qu'on ait pas le vent à la fin, forcément. Ah bah oui, bah bien sûr, quand il faut rendre la caisse là. Il peut pas venir la chercher le piaf squelettique là? Merde. Il peut pas voler, il a pas les plumes. Faut qu'il fasse un effort. Bah comment il... Pam, pam, pam. Bah non. Super. S'il a pas les plumes. Pam badam pam pam. Salut le narratif, comment tu vas? Regardez ce bon.
C'est pratique pour tout repérer. Non. Comment ça va? Mais tout. Mais enfin, mais pourquoi? Et parce que j'ai merdé. Mais. Et bah ça vous, ça vous arrive aussi de faire des conneries? Moi, oh oui. Jamais. C'est pas le sujet là, oh. Jamais, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Bah il s'est passé que j'étais en train d'essayer de poser le crâne sur le bord du beaupré et que j'ai mal calculé mon truc et il est tombé à l'eau. Ah, ah oui. Peut-être de pas m'avoir abandonné. De pas m'avoir abandonné le crâne de trésor. Est-ce que vous croyez qu'on a, on pourrait éventuellement... Vive les pirates. Oui, vive les pirates là. Let's go. J'ai pas eu la map. Okami, Alexander, Killer, Frost, Mr. Lionel, Sensei Fougère, Astérix, 347, Charlie Cosplay, AliExpress, Tatsu, merci pour votre présence. Je pense qu'on peut aller plus près de Pormé. Oui, bah je crois que bah, pour moi, qui me dit mot conscient. Non, tout à fait. Ah oui, moi j'y vais, hein. Bon, on me demande. Tout à fait, hein. Je sais pas, on ne répondait pas. Il répond pas, le capitaine. D'accord. Vous voyez, c'est pour ça la communication, c'est important dans un équipage. Est-ce que vous voudriez pas être commandité par quelqu'un qui communique? Mais elle en loupera une, c'est pas possible celle-là. Hein. J'avoue que là, mais je communique bien quand même. J'ai fait un petit bâton dans la colonne lune. Let's go! Un petit bâton! C'est un petit bâton. Je suis à ça de devenir capitaine. Un jour, un avant les Shores of Gold, je serai capitaine de ce navire. Je parierais pas ma retraite là-dessus, par exemple. Quoi. Mais moi, je trouve que je mérite quand même. Vous s'arrêtez à quai je me suis... Non, franchement, depuis le début de toutes ces quêtes, est-ce que je me suis investi que le capitaine quand même? Peut-être Yuno, elle peut prendre un truc et venir avec moi vendre un truc vite fait, oui. Vas-y. Je veux vendre. Bah, je sais pas, il y a une petite coupe ou un bâton stick, un stick à la main. J'ai sauté. Un dyslexique? Ouais, c'est ça. Ouais. Pam, pam, pam. Lionel, évidemment. Il a pas payé son ticket, mais c'est pas grave. Alors. La légende raconte qu'un jour Yuno deviendra capitaine. Mais je suis déjà capitaine. Vous savez ce qu'on dit avec les légendes. Vous savez quoi, moi je m'en fiche, je suis capitaine avec les Michel. Et c'est le plus beau équipage de l'univers, vous savez quoi? C'est vrai. Voilà. C'est leur capitaine. Bah oui. Et ça, et c'est une vraie fierté parce qu'on... Bah voilà, c'est un super équipage. Voilà. Donc finalement, j'ai tout gagné dans ma vie. Oh. Ouais, je sais. Elle est forte, elle est forte. Je vous aime les Michel, vous êtes les bestes. C'est beau. Oh ouais. Ah, ça m'arrive d'être un peu sentimental, que voulez-vous? Alors c'est plus sud-sud-est maintenant. Il y a une île devant, il faut passer à droite de l'île qui est devant. Il y a une grosse île devant et il faut passer à droite de cette île. Ah bien. Merci. Le gros caillou ou l'île vraiment? Non, à gauche. Dans vos cœurs, monsieur capitaine, c'est tout ce qui importe. C'est tout ce qui importe. Entre l'île. Voilà. Et on dominera les mers de Twitch et de la vie et des pirates et de tout. Et ce sera incroyable. On vivra de grandes aventures, de partage. Et c'est ça. Alors, on ressort un peu la musique là ? On est où ? Donc j'ai peur, Captain, c'est quoi la chanson You Are Pirate Halston. Je sais pas si elle est connue, elle est géniale. En fait, je vais demander, je suis pas sûr. De quoi? Vous comptez la légende de Yuno? Ah, la légende de Yuno. C'est une légende qui se forge encore. Mais un jour. Un jour. Un jour. Je serai capitaine de toutes les mers. Et je pourrai compter. J'ai beaucoup de maman, l'univers. Je pourrais compter mes aventures parce que je serai multiclassé capitaine Bard, évidemment. Ce qui me permettra d'avoir beaucoup de capacités différentes à utiliser lors de mes aventures. Je pense à toi, Yuno, parce qu'il y a un mode pour ajouter la sous-classe pirate. Arrête. Oh merde. Oh bah faut que j'ajoute. Attends, j'ajoute une petite note là. Alors, du coup, je fais en sorte qu'ici, du coup, il y a des trucs au bout d'un moment pour se battre bourré et tout. Mais je me fous ce mode! Mais non, mais quoi?
Attends, je l'ajoute immédiatement à ma longue liste de run à faire sur BG3 là. Mais c'est fabuleux. Mais attends, mais c'est... Oh là là. Non mais j'ai déjà encore trop de run, putain. C'est pas la classe. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est une sous-classe du roublard. Donc en vrai. Avec oh. Mode. Ah ouais. Ah ouais. Oh. Un idiot en fait. Un idiot. Yuno deviendra la reine des pirates. Mais Yuno, elle va trouver le One Piece avant Luffy, hein. C'est sûr. En même temps, il arrête pas de faire des détours, lui aussi. Aïe. Attends. Dernière fois, on a eu sur notre escarpophone, on a eu Ichiro Oda San qui nous a appelé, qui lui a dit « Les gars, j'ai besoin de vous. Le One Piece, il va pas se trouver tout seul. » C'est bon, hein, Luffy, c'est bon, t'es assez dessiné maintenant. Ça suffit. Bon, après, le truc chiant, c'est que voilà. Mais non, du coup, j'ai pas l'ascenseur, mais si jamais tu peux me l'envoyer, n'hésite pas à nous. Hein. C'est pas sûr. Gros. Après, peut-être je la connais, mais genre. Dans un manga, forcément, les protagonistes féminins. Mais genre, elle me voilà. Parlait pas là. Mais parce que je connais pas les titres souvent des elle, gens. Elle, c'est grand, non. Un jour, hein. Une question ouverte. Hein elle, oh là là. C'est grand. Oui. C'est con que je vais pas monter dessus. J'aimerais bien, ce serait rigolo. Comment ça, tu veux me monter dessus, pardon? Bah écoute. En tout bien, tout honneur. Mais enfin, avec gentillesse. Et consentement, bien sûr. Ouais, tu n'as pas à bon consentement. Okay. Je vais m'asseoir là, je vais penser à l'avenir, voilà. Faudrait contourner l'île à gauche au capitaine. Un capitaine. Ouais, sur la gauche de l'élimé. Ce capitaine Yuno n'en fera pas de détour pour réaliser son destin de barde ou trouver du rhum. Ah, mais si, mais parce que les détours, c'est ce qui fait toute l'aventure finalement. Finalement, il faut savoir faire durer le plaisir. Moi, je me rends compte que chaque fois que je joue avec toi, soit t'as une nouvelle emote, soit une nouvelle arme, soit une nouvelle tenue, soit un nouveau style de cheveux. Et je me dis, ça commence à faire beaucoup d'emotes quand même. T'as assez de pages pour les mains? Ouais, mais le problème, c'est que j'ai une page où il y a deux espaces vides et ça m'énerve, alors je vais devoir en racheter. Allez, j'en sens des vins. Je ne crois pas pour être capitaine. Ah, j'ai fait deux. Elle a fait deux. Je suis abonné aux deux depuis hier, comme tu vois, c'est vraiment ma malédiction. J'en peux plus. D'aller plus vite en vrai, capitaine, sachant que la plage est juste là-bas. Oh, la vérité. Non. Bah non. Si, la plage est juste là, à droite. Oui, je sais, mais j'ai pas envie d'aller plus vite. Bah, je sais pas alors pourquoi vous mettez les voiles dans le vent. Parce que c'est plus joli. Oh là. Ce que t'as pris. Pardon, excusez-moi, votre phrase a été coupée par le manque de respect. Excusez-moi, j'ai pas compris. C'est fait disrespect là. Oh, il a sifflé, hein. Hein? Hein? Capitaine? Le boulet. Bah oui. La balle, enfin le tir. Bah, ah oui, bah oui, oui, oui. Bah, c'est pardon, c'est ça, capitaine. Enfin... Bah. Non, j'ai raté! Ah. Oh, ça va. Je voulais pas attendre juste qu'on se garde. Bah, en fait, j'ai misclick et du coup, bah, ça a chargé mon attaque. Donc, bah voilà. Et où déjà le dans ces cas-là, tu vises au sol et tu t'en vas pas loin. Ah ouais? Même quand je suis sur le bord du Beaupré? Ouais, ouais. Tant que tu vises sur le sol du bateau, c'est fait. Ok. En gros, tu vas faire un lunge sur place, quoi. Mais... Mmh. On reste là ou Micheline, elle vous manque déjà, moi elle me manque toujours. Hein. Bon, Micheline, là, c'est quand qu'on le retourne là? C'est dans deux jours. J-2 les Michel, le retour de Micheline, la suite des aventures de Micheline, on y va. Hein. Bah non, puisque j'ai misclick. J'ai misclick. Je l'ai moi. Mais j'ai vu le capitaine. C'est pour ça que on va le bien. Qu'est-ce que c'est ça dans l'eau? Oh, un autre disque. Oh là là, mercredi c'est si loin et si près en même temps. Mais oui, ça paraît loin, mais BG3 aussi. Hein. Elles avancent les aventures de Micheline. Hein. Et on est bien. Hein. Je vous ai vu, hein.
Vous pouvez vous casser derrière le caillou, je vous ai quand même vu, hein. Oh, toi, tu rends les trucs comme ça, tu peux bien dire, hein. Bah oui, il garde nos pierres. Où ils sont, ces connards ? Il m'a popé dessus, quoi. Genre, vraiment, le manque de respect. Allez, hop là ! Félicitations ! Bravo, on a fini la fable ! Wouhou !